La soif de justice populaire face à un présumé assassin, alias macheteur. Martial, l'homme tueur accusé, revient là sur la scène de son crime quelques jours après. Vendredi dernier, en effet, au cœur de la nuit, le jeune Fabrice Mbom, 21 ans, est passé en ligne de mire de cet homme. Le soir, il dormait. Après ça, il s'est sauté au lit. Il me suis seulement levé, je suis allé toquer chez Hamson, la chambre d'Hamson. On dit à Hamson que je veux couper le voisin. Parce qu'on jouait d'abord, je veux couper. Hamson m'a dit que non. Il est parti à la douche. En ressortant la douche, que j'avais à couper. 13 coups de machette sur la cible. Objectif atteint. La victime est assommée. Il est environ 1h cette nuit-là. Fabrice succombera à ses blessures à peine entré à l'hôpital vers 2h. Le bourreau est pris de panique. Je suis d'abord allé au chantier. Après ça, c'est allé chez, j'ai arrivé chez mon grand. Ce qui s'est fait, il a toqué la porte, je l'ai expliqué. Je suis resté le matin, il y a mon ami à la récompense, on travaille ensemble, c'est Séverin. C'est lui qui a appelé, il a Séverin qui vient prendre le quai du chantier. C'est moi qui gère le chantier, je vais prendre le quai du chantier. J'ai hâte de couper quelqu'un, je ne sais pas si il va vivre, c'est arrivé, mais que la personne est morte, qui fait que je fuis. C'est là où je suis resté, j'ai dit à Séverin que on fera comment. Va voir le boss, tu prends 5 000. Tu me donnes le soir, je pars à Bafsam. Échappatoire, mais les éléments de la brigade de gendarmerie de Soa sont plus malins. Il est allé se retrancher à Bafsam auprès de son frère jumeau. Hier, donc, en fin d'après-midi, avec mes moyens personnels, au fond personnel, j'ai dépêché une équipe de 2 collaborateurs. Après en avoir avisé mes 2 collègues, dont les 2 commandants de brigade de recherche de la ville de Bafsam, qui se sont également déployés à leur niveau. Et ce déploiement a permis à son interpellation hier autour de 23h45. Ramené Manu Militari à Yaoundé ce matin, la gendarmerie est héroïque. Le sous-préfet de Soa est témoin de cette opération réussie. Et mes très vives et chaleureuses félicitations à l'ensemble des forces relevant de l'arrondissement de Soa et particulièrement de la brigade. Je me dois de saluer la diligence avec laquelle cette opération a été menée. Au fond de ce crime crapuleux, un problème mineur de voisinage entre la victime et le bourreau. Monsieur Bonfambus, quand il passait à ma moto, il essayait sa vendre, on se chamaillait. Après, un jour, je suis rentré, on m'a dit que je l'ai agressé. Il était assis, on voit les biens que je l'ai agressé. Je dis, mais est-ce que moi j'agresse souvent? Je suis au quartier, je n'ai jamais dérangé quelqu'un. Un matin, j'étais endormi, les policiers sont arrivés, ils ont toqué chez Hamson. Dès que moi je suis sorti, je suis passé pour aller à la douche. Là, il va le deuxième. Cela m'a interpellé. Tout cela, source de sa colère et le crime, finalement et malheureusement.